Tu veux qu'on revoie une fois la scène où il égorge la bonne femme? Non, il est tard. Tu sais, maman, elle va gueuler. Bien. Couvre-toi parce qu'il fait froid. Alors, ça t'a plu ce film? Je le trouve bien fait. Bien fait? L'histoire tient pas debout un quart de seconde. Mais comme c'est plein de macabées, de blessés qui râlent et de flots de sang, eh ben tous ces cons, ça les fait jouir. Moi, si j'avais la responsabilité des autoroutes, je vendrais des billets à ceux qui veulent s'arrêter pour voir les écrabouiller. Il y aurait la queue de 1000 ans à Rome. Tu te doutes pas un instant du pognon qu'ils font, ces films, avec leur macabé à la peinture rouge. C'est des milliards. Et tout ça, c'est du fric que leur filent des pauvres connards comme nous, qui se baladent le cul à l'air. Quel langage! Ça va pas, non? Mais enfin, cher monsieur, on ne parle pas comme ça, un jeune homme. C'est mon fils et je lui parle comme je veux. Et je lui apprends que le pain est le pain et qu'un cul est un cul. Faut qu'il connaisse la vie, la vraie. Pas celle de la belle au bois dormant et pas celle du petit chaperon rouge. Je veux lui apprendre à être assez fort pour s'ouvrir un chemin à coups de botte comme font ceux qui réussissent. Parce que je tiens pas à ce qu'il se retrouve comme un pauvre tocard à passer les après-midi dans les cinémas de 3e ordre. Et l'assassin dans ce film, c'est le docteur à la barbe et toc! Oh. Moi je te le dis, les vieux, faudrait les exterminer tous. Plutôt que la retraite, une bonne chambre à gaz. Regarde ça, il a mis sa putain d'auto juste devant la nôtre. Avec ses petits hybrides, il croit que c'est payé le droit de s'arrêter où il veut. Je vais lui apprendre, moi. Je vais ranger sa voiture à ce salaud. Vous voulez sortir, monsieur? Je veux sortir, oui. 300 livres. Commence par déplacer ce corbillard. Ouais, tout de suite. Regarde-moi ça, fauché là. Mais non. Allez, j'y crois pas. Mais tu sais que dans ces moments-là, je perds tout contrôle. Ça, c'est sûr. Probablement que c'était ça. Oui. Et je peux te le prouver quand tu voudras. Regarde-moi ce bordel. Vrai porcherie. Cette carte, tu la vois, pas mis au téléphone avec son mec du jour. Oui. Comment? Mais non, 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 c'est que mon mari. Non, grâce à Dieu, ex. Mais enfin, mais t'occupe donc pas, je te l'ai dit. Ça n'a pas la moindre importance. Mais si, ça a de l'importance. Car en attendant, je suis le connard qui paie la note de vos paysages téléphoniques. Bon, bon, je te rappellerai. Enfin, en tout cas, ça change pas pour notre rendez-vous de ce soir. Oui. Même heure, même endroit. Oui. Ciao, ciao. Comme ça, Luca restera seul à la maison, ça changera pas tellement. Mais vraiment, tu peux pas passer une nuit sans t'envoyer en l'air avec n'importe qui. Valerio, boucle ta saloperie de claque-merde ou je te casse la gueule. Luca va étudier. Allez, va. Écoute, c'est la dernière fois que je te le dis, tu arrêtes de me faire ce genre de scène devant notre gosse. Qu'est-ce que tu crois? Qu'il est aveugle et sourd et qu'il ne voit pas les saloperies que tu fais? Eh ben, qu'est-ce que t'attends pour le prendre avec toi, hein? C'est pas difficile. En 5 minutes, j'ai fait sa valise et tu l'emmènes. Tu sais bien que je peux pas. Où veux-tu que je prenne le temps de m'occuper de lui? J'ai assez de mal à gagner ma vie comme ça. Bien sûr que tu pourrais, mais t'es bien trop attaché à ton petit confort. T'es qu'un pauvre type, un pauvre paumé, lâche et hypocrite par-dessus le marché. Anna, tu n'es qu'une ordure dont je vais me débarrasser. Je vais te tuer, tu entends? Fermez les guillemets. Point à la ligne. Ayant dit ces mots, Jack sortit son calibre 45 en grimaçant. Grimaçant avec une CDI, faites bien attention. Anna tremblait, virgule. Elle cria, 2 points, ouvrez les guillemets. Mais tu m'as aimé, tu m'as désiré, tu m'as possédé. Tu ne peux pas avoir oublié tout cela. Jack arma le percuteur. Point. Anna cria la bouche pleine d'écume. Cocu, tue-moi si t'as des couilles. Tue-moi si t'as des couilles. Jack par 2 fois tira. Bam, bam, point d'exclamation. Anna tomba sans un mot, virgule. Son ventre était déchiqueté, point. Fin du 10e chapitre, 3 exemplaires, double interligne. Mais ne faites pas de faute d'orthographe. Autrement, je vous promets que je vous laisse tomber la prochaine fois. Oh, Barigozzi! Alors ce polar, quand est-ce que tu me le donnes? Salut, il est presque fini. Bah, ça fait 1 mois que tu me le dis. N'oublie pas que je dois le donner à l'imprimerie jeudi au plus tard. J'y travaille chaque fois que j'ai un moment de libre. Même en voiture. Eh ben, tâche au moins de faire un truc qui excite les gens, hein. Tu parles, c'est l'histoire d'un fétichiste qui tue 2 lesbiennes et d'un policier homosexuel qui s'amourage de l'assassin. Bon, ben trouve un bon titre. Oui, oui. Oh, qu'est-ce que tu penses de Foutu la charogne? C'est un peu mou. Trouve quelque chose où il y ait des mots comme stupre, ou bien viol, ou contre nature. D'accord. Écoute, tu pourrais pas me donner un peu plus cette fois? Plus de la moitié du pognon s'en va pour la frappe. Valerio, tu sais que les tarifs sont fixés par la direction générale. Dis-moi, pourquoi tu veux pas demander au patron? Oh, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Je descendrai à pied. Tu n'es plus aux informations? Je ne suis plus aux informations. Qu'est-ce que tu fais alors? Je fais pitié, c'est tout. Courrier pour la comtesse. Tu te crois drôle? Excusez-moi, docteur. Vous êtes bien la comtesse Esmeralda? Mais ça ici et fiche le corps si tu veux pas mon pied au cul. Que con. On dirait que la comtesse a ses règles aujourd'hui. Le petit courrier du cœur. Écoute-moi un peu ça. Chère comtesse Esmeralda, je suis une veuve de 39 ans et j'ai un fils qui en a 18. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour garder mon enfant loin des tentations. J'ai si peur qu'il tombe entre les griffes d'une de ces affreuses créatures immorales qui abondent aujourd'hui, qui pourraient bien le corrompre ou encore lui passer une maladie vénérienne. Naturellement, je comprends que mon garçon ait, comment dire, certains besoins. Aussi ai-je décidé pour son bien de me sacrifier et une nuit, je suis allé dans son lit virginal. Les choses durent comme ça depuis environ 1 an et je commençais enfin à me sentir un peu rassuré. Mais depuis 1 mois, je vois mon petit garçon très préoccupé et je ne comprends pas pourquoi. Mais, tu te rends compte? De quoi? De rien. Demain, je tuerai grand-père Gustave. Signé Le Monstre. Eh bien. Mais Livraghi. si jamais c'était sérieux. Est-ce que tu as la moindre idée du nombre de grands-pères Gustave qu'il y a sur Terre? Mais tu regardes jamais la télévision? C'est un programme pour gosses, d'une débilité totale. Un truc sirupeux à vous faire vomir. Une émission qui s'appelle Les Fables de grand-père Gustave. Et si c'était lui? Écoute, mon vieux, depuis 20 ans que tu fais ce putain de métier, t'as pas encore compris que le gros scoop à l'américaine, c'est pas pour nous. Alors occupons-nous de choses sérieuses, là. J'ai encore une demi-page à boucler pour la prochaine édition. Prends ça et brode-moi dessus un papier à sensation. Et où veux-tu la chercher, ta sensation? Je ne vois que Morandi qui se promène avec sa femme. Et la jolie nana qui est derrière, tu la vois pas, non? Si. Mais c'est une fille qui se promène de son côté. Et alors? Tu vires la femme. À la place, tu mets la fille. Tu balances un beau petit titre du genre « Menace sur le ménage ». Et dessous, tu flanques 30 lignes d'insinuation suffisamment vagues pour éviter un procès. Bon, enfin, sacré nom de nom, il te faut encore apprendre l'ABC du journalisme. Barigozzi. Comment dites-vous? Barigozzi. Oui. Oui, je comprends, c'est le devoir de tout bon citoyen. Grand-père Gustave. Bien sûr, j'aspire tout. Benito, Lucie Galtieri. C'est là-bas. C'est le monstre. Oui, je dis quelque chose. C'est un maniaque. Oui, soyez tranquille, j'ai pris bonne note de tout, monsieur Barigozzi. Si vous voulez passer me voir, par exemple, demain. Comment ça, demain, il pourrait être trop tard? N'exagérons pas. Excusez-moi, on m'a volé mon sac. Dans ce bureau, il y a la queue, là. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper. Moi, je cherche Vittorio Santi, vous savez, grand-père Gustave. C'est cette porte là-bas, il enregistre. Merci. Ah, faites attention, on ne peut pas entrer, vous voyez pas le rouge, non? Non, je n'avais pas vu, excusez-moi. Méchant loup était là, bien caché tout contre. Calme, tout doux. Et il pensait, approche encore un peu, mon bon ami, que je puisse te manger. Et notre petit malin de lapin, dit le lapinou, avait très bien vu le loup. Mais il faisait mine de rien. Et tout à coup, le loup fit un bond. Et patapouf, il tomba droit dans le piège que le lapinou avait soigneusement préparé. Il est l'heure de se quitter maintenant. Au revoir, mes chers amis. Mais rappelez-vous, soyez obéissants. Et n'oubliez jamais l'ami des petits, votre grand-père. Salut à tous de grand-père Gustave. Salut. Coupez. Envoyez le générique. Bien. Bien, mon cul. Cet idiot secrétaire de Perchman continue à m'envoyer en pleine gueule l'ombre du micro. Vous avez vu grand-père Gustave? Eh oui, malheureusement. Vous avez vu Vittorio Santi? Il est sorti par l'autre porte, celle de droite. Excusez-moi, madame, avez-vous vu Vittorio Santi, enfin grand-père Gustave? Non. Pardon? Il n'est pas venu se démaquiller. Vous avez regardé dans sa loge? Non. Oh, il doit y être. Merci. Excusez-moi, vous ne savez pas où est grand-père Gustave? Voyez au bar, il doit y être. Par là? Oui. Merci. Est-ce que je peux entrer? Et comme si de rien n'était. Le grand méchant loup était là bien caché tout contre. Calme, calme, tout. Et le méchant loup pensait, approche un peu mon bon ami que je puisse te manger. Mais le petit malin de lapin, dit le lapinou, avait très bien vu le loup et il faisait mine de rien. Tout à coup le loup fit un bond et patapouf, il tomba droit dans le piège que le lapinou lui avait préparé soigneusement. Il est l'heure de se quitter maintenant. Au revoir, mes chers amis. Et rappelez-vous, soyez obéissants. Et n'oubliez jamais l'ami des petits, votre grand-père. Salut, salut, salut à tous de grand-père Gustave. C'est en ordre, Barigozzi. Tu veux dire? Le laboratoire n'a pas trouvé de traces de sang, ni sur vos vêtements, ni sur vos chaussures. Par conséquent, c'est pas vous qui avez défoncé le crâne du pauvre. Ah, merci de cette bonne nouvelle. Je peux peut-être me rhabiller, non? Oh, ben regardez-moi ces enfoirés. Ça fait une bonne heure qu'ils ont fini mal, ça. Va voir au laboratoire si tu peux récupérer ces affaires. Je leur prépare ici. Merci. Cigarette? Monsieur, pourrions-nous parler un moment de cette très étrange lettre? Oui, bien sûr. Je dois dire que votre attitude dans cette affaire n'a pas été, disons, complètement nette. Vous aviez le devoir de remettre cette lettre à la police aussitôt que vous l'avez reçue. Excusez-moi, mais... Si je voulais être un peu rigide, nous sommes en présence d'une non-dénonciation de crime. Barigozzi. Je vous l'ai dit 20 fois, j'ai téléphoné ce matin. J'ai parlé à quelqu'un qui m'a pris pour un maniaque, alors je n'ai pas insisté. Il n'y a qu'à demander à votre collègue, il vous le dira, il s'appelle Caminito. Caminito n'a jamais reçu de coup de téléphone. Quoi? Pas plus que vous-même, d'ailleurs, n'avez jamais reçu, ni entendu parler, ni vu de près de loin cette lettre. J'aurais mis le temps, mais j'ai compris. Vous ne voulez pas qu'on apprenne que la police pouvait éviter un meurtre et ne l'a pas fait. C'est une affirmation très grave. À votre place, voyez-vous, je ne la répéterai pas devant qui que ce soit, et encore moins l'écrirai dans les journaux. Eh bien, dites-vous que les choses n'en resteront pas là. Je vais vous donner un conseil d'ami. Aïe! Justement. Faites attention, vous mettez les pieds, Barigozzi. Les enfoirés, non seulement ils ont fauché la lettre, mais ils ont abîmé mes vêtements avec leurs produits chimiques. Mais après tout, c'est moi qui ai découvert le meurtre. Donnez-moi une heure et je vous pond un papier sensationnel. Les journaux concurrents sont sortis depuis longtemps, avec tous les détails. Votre papier sensationnel, mettez-vous le haut. Il ne peut servir qu'à ça. Mais patron, j'en ai l'exclusivité. La lettre. Il y a une photocopie? Non. Vous avez enregistré le coup de téléphone à la police? Je suppose que vous avez pris une photo du cadavre. Au fait, comment vous appelez-vous? Barigozzi, monsieur le directeur. Barigozzi? Oui. Vous n'êtes pas un vrai professionnel. Un témoin à la con, voilà ce que vous êtes. C'est vrai. Non, je veux dire que j'ai moi, un témoin, c'est Livraghi. Toi, la lettre, tu l'as vue, tu l'as lue, nous en avons parlé. Valerio, je te comprends, mais... C'est moche de vouloir mettre dans le bain un vieil ami comme moi. Mais autrement dit, aucun d'entre vous n'a jamais vu cette lettre fantôme. Je me permets de vous dire que j'ai un peu de flair de journaliste et par conséquent... Eh oui. Tandis que moi, je dois encore apprendre l'ABC, n'est-ce pas? Déchire pas la page des spectacles. Je vais aller au cinéma. Regarde-moi ça. Salaud, dégueulasse. Rien, pas un seul mot, ni sur moi, ni sur la lettre. Peut-être que le crime a été découvert par l'homme invisible. Ça m'apprendra à me conduire en bon citoyen. Si j'avais pensé à exploiter la nouvelle, j'aurais à présent ma signature en première page. Tu exploiterais la mort de ta mère si t'en avais les moyens. Mais il suffit pas d'être salaud pour réussir, Valerio. Il faut aussi être à la hauteur. Et toi? Et moi, quoi? Ah bah, je suis prêt. Voilà, bravo. Allez-vous-en. Allez. Attends qu'une autre occasion se présente et tu verras. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en d'ici. Va-t'en. C'est le tour de Gigi Valli, le monstre. Dis donc, quelqu'un m'a refilé ce billet dans la poche. Tu as remarqué quelque chose? Tu as vu quelqu'un? Mais qu'est-ce que c'est, papa? Mais rien, rien. Une bonne nouvelle, Luca. Derniers instants de Gigi Valli, reportage exclusif de Valerio Barigozzi sur 8 colonnes à la une. Va, va, donne-toi un fou. Je ne sais pas ce qui t'attend. Quand j'y pense, 80 kilos de muscles que les asticots vont bientôt bouffer. Finalement, c'est beau de s'en aller en pleine gloire. Parce qu'il faut voir les choses. Dans un an ou deux, il ne pourrait plus jouer. Il passerait le reste de sa vie au bistrot à casser les pieds de tout le monde, avec ses souvenirs. De toutes les façons, il est trop vieux pour jouer en national. vite! Écartez-vous. Maintenant, soulevez-le. C'est très bien. Tu me traites absolument comme un enfant, papa. C'est toi qui m'y oblige, Giorgio. Tu t'obstines à considérer mes journaux comme un amusement de riches. Mais non, je voudrais seulement les rendre plus modernes, plus agressifs, attirer d'autres lecteurs, vendre plus d'exemplaires. Tu as encore beaucoup à apprendre, mon garçon. Alors, cette secrétaire, elle vient, oui, parce qu'à ton âge, tu crois que c'est la vente des journaux qui rapporte de l'argent. Ah, enfin, merci beaucoup. Je ne suis pas naïf à ce point. Je sais bien comment on fait prospérer un empire de l'édition comme le tien. Il faut être à la dévotion d'un parti politique, rendre service à tel ministre ou à tel groupe d'industriels. Justement, et les 22 milliards. Ouais, entrée de publicité garantie par l'État. Cela, personne ne me les enlèvera, Giorgio. Merci. D'accord, et ça fait 30 ans que ça dure, mais le pouvoir peut changer. Et si par hasard, le prochain ne marche plus? Si jamais ils ne financent plus, je vais leur balancer 2000 chômeurs dans les gencives. Mais au lieu de s'obstiner dans la culture du déficit, pourquoi ne pas faire comme en Amérique, au Canada ou en Australie, où revues et journaux sont parfois des affaires en or, qui rapportent des milliards? Oui, je le sais. Et à quel prix? Des feuilles de chou à sensation, voilà ce que c'est. Moi, je n'appelle pas ça des journaux. J'appelle ça... des poubelles. Peut-être, mais que ça te plaise ou non, c'est ça que les lecteurs veulent. Pas ces choses vulgaires, quand même. Eh bien si, vulgaire, et violente, agressive, et sans le moindre scrupule. Sache que le public ne demande rien d'autre à tes belles revues, et j'ai... Ah non, encore vous? Enfin, comment osez-vous entrer dans mon bureau sans permission? Monsieur le directeur, j'ai essayé de l'empêcher d'entrer, mais... Ce que j'ai à vous dire est extrêmement important, et les minutes me sont comptées. En tant que mon employé, sûrement. Vous êtes renvoyé. On ne risque rien à l'écouter. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le directeur, c'est le portier qui appelle. Des policiers sont en train de monter chez vous. À présent, je n'ai que quelques secondes. Il y a 9 étages et les ascenseurs sont très rapides. Alors écoutez-moi sans m'interrompre. Le monstre a frappé à nouveau. Un meurtre sensationnel. Un joueur de football de premier plan. Et j'ai pratiquement tout vu d'un bout à l'autre. J'ai un article, 2 bobines de photocouleur et la photocopie de la lettre du monstre. Tous ces éléments sont à votre disposition et pour 3 fois rien. 3 fois rien? Oui. Vous me remettez en échange un petit contrat d'envoyé spécial et vous me tirez des mains de la police. Non, c'est impossible. Vous avez assez d'avocats et de relations politiques pour y arriver. Vous disposez de 2 heures pour réfléchir. Après, je vends à la concurrence. Commissaire, j'admire votre promptitude. C'est parce qu'il y a de bons citoyens comme vous qui nous téléphonent pour nous tenir au courant. C'est un devoir. Dommage que le sang du Loir ne vous soit venu qu'après le crime. Que voulez-vous? Cette lettre m'a tellement bouleversé que ma première idée a été de courir prévenir ce pauvre garçon. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Bien, faute à pas de chance. Et cette fois, comment l'avez-vous reçu? Cette fois? À vous entendre, on pourrait supposer que ce n'est pas la première lettre que le monstre m'écrit. Quelqu'un a-t-il eu connaissance d'une autre lettre? Ou lu le plus petit article dans les journaux concernant son existence? Barigozzi, venez avec moi. Dites, patron, avec le contrat, envoyez-moi des vêtements de rechange. Chinois dit, si on te le met là où je pense, souris et ne bouge pas, parce que si tu t'agites, c'est à ton ennemi que tu donneras du plaisir. Il y a du nouveau? Rien d'enthousiasmant. Je viens de recevoir le premier rapport du médecin légiste. La technique est la même que la première fois. enfoncement de la boîte crânienne provoqué par des coups répétés assénés avec un objet métallique contondant non identifié. Ça peut être n'importe quoi. Peut-être un pic à glace, ou un marteau, ou une masse d'armes anciennes. Les coups ont été portés du haut vers le bas et dans une position frontale. Mais c'est absolument sûr? Oui. Je vais voir un peu. Notre monstre doit être un malabar d'une taille peu commune pour réussir à frapper de haut en bas un costaud d'une taille d'1,80 m comme Valli. J'y comprends rien. Ouais, et puis le laboratoire indique que l'empreinte rouge sur la figure a cette fois encore été faite avec un rouge à lèvres de la même marque. Il s'appelle Mystère. C'est un truc de 4 sous qu'on trouve à peu près partout. Pas si mal. Dès le second meurtre, nous savons déjà que l'assassin est grand, économe sur le rouge à lèvres et graphomane. Qu'est-ce qui te prend de venir d'aussi bonne heure ce matin? T'es bourré ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce paquet? Un cadeau pour toi. T'as fini par trouver l'argent pour le divorce? Bonne réplique. Luca, roule. Viens voir. Là. Tiens, regarde. Lis ce nom qui est là. Et ça, c'est moi. Tiens, on va l'accrocher ici. À la place de la marine. Comme ça. Tu vas mettre une bougie devant et chaque fois que tu passes, tu t'agenouilles, tu fais le signe de croix et tu fais acte de contrition pour toutes les fois où tu m'as traité de bon à rien, jusqu'à ce que tu en crèves. Luca, prépare-toi, tu vas être en retard. Non, pas d'école. Aujourd'hui, Luca est en vacances. Il sort avec son père. Comme tu veux. Luca, viens. Tu vas voir où t'emmène ton papa. Ben, c'est dommage. Peut-être qu'aujourd'hui, il aurait eu un cours de sciences naturelles. Peut-être qu'on lui parlerait du chacal. Tu sais, Luca, le chacal est une bête sordide, dégoûtante et surtout lâche, qui n'a pas le courage de se battre contre d'autres animaux pour se procurer sa nourriture. Alors il suit les bêtes les plus fortes. Et quand elles ont fini de manger, il prend ce qu'elles laissent. Bien, Luca. Papa connaît une histoire beaucoup plus amusante. Celle du renard et des raisins trop verts. Allons-y. Félicitations, Barigozzi. Salut, merci. Tous mes voeux, Barigozzi. Merci, ciao, merci. Tu videras tous les tiroirs et tu porteras mes affaires dans mon nouveau bureau. Ouais. Écoute, Valerio. Tu vois, les chiottes sont occupées. Je voulais te dire... Attends une minute. Ça doit être mes régalés. Il rabat toujours le couvercle de la lunette avant de tirer la chasse. Tu as vu? Hey. Salut, Barigozzi. Compliment, hein? Merci, ciao. Tu vois, on pourrait me bander les yeux que je reconnaîtrais malgré tout la gastrite de Cometti ou la colite spasmodique de Menavo. Livraghi, tu n'as pas idée des choses que l'on apprend en travaillant à côté des chiottes. Écoute, Valerio, tu as parfaitement raison de m'en vouloir. Je me suis comporté comme... je sais pas, comme un... Fils de pute, un enculé, un trouillard, un dégueulasse. Ouais, mais c'est pas à toi que j'en veux. Tiens, pour bien te le montrer, si tu veux, je te prends avec moi pour travailler au quotidien. Ça te plairait, n'est-ce pas? Oui. Je vais en parler à Giorgio Mesca, le fils du propriétaire. Giorgio, ici Valerio, écoute, je voulais te... Comment? Oui, bien sûr, je monte, je reviens tout de suite. Complètement dingue. Jusqu'à hier, il ne savait même pas que j'existais. Et à présent, il suffit que je m'éloigne une minute, et voilà qu'il perde complètement la tête. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Barigozzi? Mais Giorgio, monsieur Mesca, c'est le second article sur le meurtre, pour l'édition de demain. Je ne sais pas quoi dire, à moi, il m'avait semblé plutôt bon. Il y a tout. Les résultats de la première enquête, les hypothèses. Maintenant, dites-moi ce qui ne va pas et j'en écrirai à nouveau. Valerio, ton article est bon, correct et intéressant. Il n'y a même pas de faute de syntaxe. Et alors? Et alors? Demain, dans tous les journaux concurrents, il y aura plein de bons articles corrects et intéressants. Alors pourquoi les gens achèteraient notre journal plutôt qu'un autre? Essayons de nous comprendre, Barigozzi. Cette histoire est importante pour toi comme pour moi. Mon père me laisse faire pour le moment parce que ce salopard, le fric, lui fait oublier ses convictions. Et avec l'affaire du monstre, notre vente a plus que doublé. Valerio, il faut que ce soit désormais son niveau normal, sinon nous revenons au point de départ. Je redeviens fils à papa et toi tu retrouves ton bureau près des cabinets, c'est clair? Mais Giorgio, excuse-moi. Mais comment faire? Je ne peux pas trouver un cadavre tous les jours. Les meurtres sont, pour ainsi dire, dans le domaine public. Les journaux donnent tous plus ou moins les mêmes nouvelles. Je me fous pas mal de tes nouvelles. Nous avons bien mieux, nous t'avons toi. Moi? Bien sûr. Tu es la seule personne au monde qui ait été en rapport avec le monstre. Il t'a écrit, il pourrait t'écrire encore. Bien plus, tu devras le provoquer à le faire. Tu dois devenir son confident, sa conscience, son concessionnaire exclusif. Valerio, ce qu'il faut, c'est qu'en entendant le mot monstre, les gens pensent aussitôt à Barigozzi. Et comme ça, tout ce que pourront écrire les autres journaux sera de la crotte de pique. Bon sang, il me vient une idée qui va faire du bruit. Écoute bien, hein? Alors, en première page, au beau milieu, caractère gras encadré. Comme ça. Tu vois? Un titre éclatant, en une seule ligne. Là. Lettre au monstre. Oui, il me semble que tu y es, continue. Alors je lui écris que je le tutoie. Cher monstre. Mais bon, peut-être que cher, c'est un peu trop. J'ai devant moi tes lettres écrites par cette même main qui a massacré, etc., etc. Pas mal. Un peu mélodramatique, mais l'idée de la lettre est parfaite. Je crois qu'il faut essayer de l'exploiter jusqu'au bout. Alors pas d'hésitation, fonce. D'accord. Puis je continue en forçant sur le pathétique larmoyant. Les pauvres victimes, le remords dévorant, pense à eux, livre-toi à la justice. Vas-y doucement. Si jamais il s'attendrit, il ne tue plus personne, tu nous vois? Très juste. Alors je continue dans un style un peu plus agressif. Une touche de compréhension humaine et stop. Parfait. Il faut que tu l'asticotes de telle façon que où il t'écrit, où on trouve une autre victime. Je me mets à la machine tout de suite pendant que c'est tout chaud. Qu'est-ce qu'on va leur mettre dans les gencives? Oui, mais... Après tout, le monstre pourrait se fâcher et me tuer moi. Voilà. Quand j'ai lu cette lettre sur le journal, j'ai pris aussitôt la décision. Je veux tout avouer. C'est moi qui les ai assassinés, tous les deux. Je suis le monstre. Vous m'avez entendu? Le monstre, c'est moi! Je suis le monstre! J'ai compris. Et dis-moi, quelle arme as-tu utilisée? Une hachette! Dessine-moi un plan. Très précis, l'endroit où tu as tué Valli. N'indique pas où tu es entré et où tu t'es caché. Ben... je ne sais plus. Vous voyez... j'étais troublé, alors... je ne suis pas sûr. Eh oui. Mais puisque j'ai avoué, ça vous suffit pas? Je vous dis que c'est moi l'assassin, le monstre! Eh et oui. Vous devez me croire! Bien je sûr. Suis le monstre, je vous le jure! Voilà, la guignol qui commence. Quelque chose d'intéressant? Le fou habituel, ce salaud de Barigozzi avec ses lettres. Il a déchaîné tous les mythomanes de la ville. J'étais obligé de détacher 3 préposés 3, rien que pour répondre aux coups de téléphone de tous ceux qui affirment tout savoir sur le monstre. Malheureusement, il faut les écouter tous. On sait jamais, une de ces communications peut être la bonne. Oui, oui, mais à cause d'eux, nous perdons un temps précieux. Pour tout arranger, il est collé à moi, le préfet, jour et nuit. Excusez, vous êtes le commissaire Pisani. Hein? J'ai une chose importante ici, mais tout à fait confidentielle. Je suis très occupé, on verra plus tard. Vous ne comprenez pas, je suis le monstre, je sais. Écoutez-moi, vieux. Là-bas, il y a un planton. Il vous donnera un numéro. Et mettez-vous à la file. Allez. Impressionnant ce truc-là. C'est très bon, et on va faire encore mieux demain. Le V, on va le tirer en rouge, ça fera davantage d'effet. Hé, double tirage, ça va coûter une fortune. Oui, je ne dis pas, mais ça vaut la peine. Tu sais très bien que nous avons triplé la vente en 2 jours. Vous savez pourquoi? Cette triste époque d'insécurité, d'enlèvement, d'attentats, des beaux meurtres comme ça, style rétro, donne aux gens une espèce de bouffée d'air frais. Bah, on verra bien. C'est une bonne idée d'avoir mis la suite de la lettre en 3e page. Eh oui, comme ça, les rigolos qui lisent le journal à l'aventure des kiosques devront l'acheter. Ah, à propos, il faut se dépêcher pour renforcer la distribution, parce que sinon ça n'ira pas. Vismara m'a promis 3 camions qui amèneront des chômeurs pour vendre à la criée. C'est vous, Valerio Barigozzi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Silence. Chut. Il faut surtout pas qu'on nous entende. Et qui êtes-vous? C'est un rouge de la marque Mystère. Permettez que je me présente, Baroufi, de la Baroufi Cosmétique. Enchanté, monsieur. Enchanté mon cul, oui. Vous avez failli me faire avoir une attaque. Foutez-moi le camp. Non, écoutez, ce que je voulais, c'est avoir avec vous un entretien confidentiel, en homme d'affaires. Ça vous intéresse? Ça dépend. Ben voilà, n'est-ce pas? Ma société produit le rouge à lèvres Mystère. Avez-vous la moindre idée de ce qui se passe dans le métier? Non. Non. Bah tenez, en bref, c'est le bordel le plus total. Les grosses sociétés américaines font la loi sur le marché. Je ne vendais presque plus, j'étais sur le point de faire mes boutiques, et puis est venu ce monstre, que Dieu le bénisse. Et parmi tant de rouges à lèvres, il choisit justement mon rouge pour marquer ses victimes. Vous voulez dire que ça a augmenté vos ventes? Augmenté? Vous plaisantez, monsieur Barigozzi. Mais il a suffi de 2 lignes dans les journaux, et la moitié des femmes italiennes se sont précipitées dans les boutiques pour acheter mon rouge à lèvres, dans l'espoir qu'il leur ferait éprouver le grand frisson, tant et si bien que j'ai l'intention de lancer une nouvelle ligne de produits. Je l'appellerai peut-être Frisson, ou mieux encore, Crime. Je crois que c'est encore plus raffiné. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que je ne vois pas ce que j'ai à voir avec vos rouges. Mais enfin, monsieur Barigozzi, vous m'étonnez, je croyais que vous aviez saisi. Écoutez, hein, la publicité, c'est l'âme du commerce, non? Et vous, comme vous avez, si je puis dire, enfin, un peu l'exclusivité de ce monstre donc. Et... alors voilà, je lâche le morceau. Toutes les fois que dans un de vos articles, vous arriverez à parler de mon rouge à lèvres, je vous allonge 500 billets, d'accord? Mais pour qui me prenez-vous? Oh, je vous jure que je ne voulais pas du tout vous offenser. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je suis un amateur? Oui, vous m'offensez. Parce que je peux faire beaucoup mieux que de glisser le nom de votre mystère dans un article. 2 millions en espèces et je fais publier une photo de votre rouge à lèvres avec le nom bien lisible. 10 millions sans marchander et je vous fais 3 colonnes d'interview sous prétexte d'enquête sur le monstre. Barigozzi! Je savais que vous étiez mon homme. Et je viens d'avoir une autre idée pour la publicité. Je veux faire des mannequins en plastique à mettre dans les vitrines. Des mannequins en plastique du monstre avec la face d'un assassin, vraiment comme s'il était sur le point d'attaquer. À la prochaine distribution, tout le courrier passe par ce bureau, compris? Oui, monsieur. C'est mal barré, il donne plus aucun signe de vie, ce salopard. peux arrêter. Il n'y aura pas de lettre du monstre. Pourquoi tu dis ça? Cette lettre, c'est moi qui l'ai expédiée. J'y avais mis un cheveu, il n'y est plus. Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'en as pas assez? Ça veut dire que la lettre a été ouverte et contrôlée, et que si le monstre nous écrit, la sienne n'arrivera jamais. Contrôlée par qui? Les flics, naturellement, ils ne sont pas idiots. Mais où est-ce que nous sommes? Au Chili ou quoi? C'est une violation du secret postal et de la loi, je vais faire un scandale. Conneries! Nous aurions dû y penser beaucoup plus tôt. Valerio, nous devons trouver quelque chose, sinon nous sommes foutus. Écoute, des idées... Ce n'est pas le moment de nous engueuler. Nous devons regarder les faits bien en face. Voilà une semaine qu'il n'y a rien de nouveau. La lettre au monstre n'intéresse personne désormais, puisqu'il ne répond plus. Ce matin, la vente a baissé pour la première fois depuis le début de l'affaire. C'est un signe qui ne trompe pas. Tu sais, il faut bien reconnaître que ce citron-là, nous l'avons pressé jusqu'à la dernière goutte. L'unique chose que je n'ai pas encore faite, c'est d'aller défoncer le crâne de quelqu'un. C'est peut-être une idée. En tout cas, demain soir, mon père rentre d'un congrès en Allemagne. La première chose qu'il ira voir, ce sera le graphique des ventes. Et s'il le trouve en baisse, bah, tu sais bien où tu te retrouveras. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et pourtant, il se cache ici, dans cette saloperie de ville. Mais où? Quelle vacherie. Pour moi, il n'est pas loin de l'endroit où il a frappé deux fois. Voyons un peu ça. Ici, ce sont les studios de la télévision. Et ici, c'est le terrain de sport. Ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Mais pourquoi ces deux endroits? Là, c'est la solution. Luca! Luca, j'y suis, regarde! Tu as vu? Tu as compris? Hé là! Qu'est-ce qui vous prend de barbouiller ce plan, hein? Qu'est-ce que vous faites? Je fais un V, mon garçon. Un V comme victoire, ou comme va te faire foutre. Comme vous verrez tous qui est Barigozzi! Oui, madame, vous ne comprenez pas que toute cette histoire ne repose sur rien du tout. Ce ne sont que des hypothèses fantaisistes d'un crétin journaliste. Mais ça ne repose absolument sur rien. Mais si, je comprends que cette maudite lettre V passe au-dessus de votre maison, mais elle passe aussi sur les maisons de 100 000 autres personnes. Mais comment vous protéger? Je ne peux quand même pas surveiller chaque citoyen. Écoutez... Oh! Faites comme vous voulez, écrivez au préfet de police. Tant mieux si vous me faites muter, chère madame. Oh! Vous ne me passez plus aucune communication, compris? J'ai eu plus d'emmerdement avec Barigozzi en l'espace de 10 jours qu'avec 50 criminels en 10 ans. Nous reconnaissons, Pisani, que tout compte fait peut-être tomber juste. Enfin, je veux dire, nous n'avons jamais trouvé de lien commun entre les deux victimes. Tout laisse supposer qu'il s'agit d'un maniaque qui choisit ses cibles au hasard. Et d'autre part, comme il fait au rouge cette marque V sur le visage, c'est pour elle que... Bon, ben, je vais de ce pas aller m'occuper de l'interrogatoire de l'autre, hein? On verra bien. J'aurais prévenu Barigozzi. Attention, tu mets les pieds. Alitalia, partenza per Milano, volo 142, imbarco immediato, uscita 4. Alitalia, volo 142, uscita 4. Alitalia, departure to Milano, flight 142, boarding now to gate number 4. Alitalia, flight 142, gate 4. À la maison, monsieur? Non, non, on va au bureau, et vite. Bien, monsieur. Oh! Livraghi! Putain! Non, monsieur le directeur, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Expliquez-moi ce qui se passe, que sont devenus le portier et les gardes? Ils donnent un coup de main pour charger les camions. Nous avons battu tous les records de tirage aujourd'hui, monsieur le directeur. Nous sommes tous mobilisés. Ouais, vous êtes devenus tous complètement fous, hein? Parce que c'est de la folie, de la pure folie, la plus totale inconscience. Comment peut-on publier sans l'ombre d'une preuve un pareil tissu d'élucubration? Ça peut en effet faire vendre des millions d'exemplaires, mais discréditer un journal à tout jamais. Trouvez-moi mon fils et cet imbécile de Barigozzi et envoyez-les-moi immédiatement. Oui, on peut entrer, monsieur. Entre, Valerio. Vous avez fait bon voyage, monsieur. Excusez-moi pour le retard, j'étais à l'imprimerie. Giorgio, j'ai fait refaire en italique une partie de l'article de la deuxième parce qu'il y a... Quelque chose ne va pas? J'en ai bien peur, oui. Mon père a une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Oui, monsieur. C'est drôle qu'aucun de nous n'y ait pensé. Notre journal est en plein sur la ligne tracée par le V. Tu avais vu juste. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police, non? Attends, pose ce récepteur. Valerio, essayons, veux-tu, de ne pas perdre la tête. Si je pouvais faire quelque chose pour faire revivre mon père, je n'hésiterais pas, mais je n'y peux rien. Nous avons défié le monstre et il a réagi en nous frappant. Valerio, cette affaire est l'affaire du siècle et maintenant elle est complètement à nous. Demain, les autres journaux pourraient aussi bien ne pas sortir. Nous ne pouvons pas d'abord préparer l'édition de demain et puis avertir la police. Ça porte un nom. Oui, je sais. Par ailleurs, si nous l'appelons tout de suite, on risque d'être retenus toute la nuit et nous serons baisés pour sortir le journal. Nous sommes dans la merde jusqu'au cou. Sans compter que les flics pourraient bien accuser du crime l'un de nous deux. Oui, mais ils ne pourront pas nous accuser si nous avons un alibi parfait. Et quel alibi? Valerio. Nous nous sommes rencontrés il n'y a pas 5 minutes dans le hall. Nous avons pris l'ascenseur ensemble. Et ensemble, nous avons découvert le cadavre. C'est simple et clair. Mais c'est pas vrai. Nous serons les seuls à le savoir. J'étais déjà ici quand je suis entré. Dis un peu ce que tu as derrière la tête. Des idées confuses. Tu ne peux pas t'attendre à beaucoup d'une pauvre tête de chroniqueur. Sera-t-elle plus lucide, celle d'un directeur général? Je pense que oui. Nous allons faire ainsi. Toi, tu vas téléphoner à la police. Tu es bouleversé, tu bafouilles, bref, tu fais tout pour gagner du temps. Disons qu'il me faut environ une dizaine de minutes. De mon côté, je rameute au trot les photographes du journal. On prend les photos qu'on veut et je fais disparaître toutes les pellicules. Et puis, après, je commence à préparer l'édition. Je mets toute la gomme, bien entendu. Tu es d'accord? Certainement. Le monstre est maintenant notre ennemi personnel. Oui, mais nous ne connaissons pas la peur et nous continuerons la lutte. Je fais préparer un article contre la police au cas où on nous garderait à vue. Au lieu de consacrer tous ces efforts à la chasse aux criminels, on persécute des journalistes frappés dans leurs affections les plus sacrées. Tu vois le genre? Écoute, je te laisse le temps d'arriver à l'imprimerie et je téléphone. N'oublie pas les photographes. Sois tranquille. Ah! À propos, mes plus sincères condoléances. C'est un bon travail de retoucheur. Il n'a plus du tout sa face de gros porc. Oui, il a presque l'air d'une personne normale. Cette photo du patron doit devenir une espèce de marque de fabrique. Nous la ferons paraître dans tous les journaux du groupe avec une légende du type « Tomber au champ d'honneur du devoir ». Faut aussi trouver un titre très dramatique, une connerie comme « Nous jurons que ton assassinat ne restera pas impuni ». On peut le jurer, ça coûte rien. Le jour où on arrêtera le monstre, alors là oui, nous pourrons porter le deuil. Nous devons faire un travail coordonné de toutes les publications du groupe Mesca. Je veux atteindre tous les lecteurs de 5 à 90 ans. C'est clair? En avant et trouver des idées. Et nous, aux bandes dessinées, nous avons à vous proposer 2 nouveaux personnages. Celui-ci, c'est Vipérix, le massacreur insaisissable. Il conviendra très bien à la catégorie des 8 à 12 ans. Pour les plus de 12 ans... Parfait, vous pouvez foncer. Surtout, dans les premiers numéros, n'oubliez pas d'insérer les décalcomanies des personnages. Comme ça, ils les appliqueront sur les motos et les voitures, ça fera de la publicité gratuite. Voyons les hebdomadaires féminins. Écoute, Valerio, les faits divers n'ont pas leur place entre la mode et la cuisine. Tu es un couillon. Je vais te dire, moi, ce qui intéresse toutes les femmes plus que la mode, que la cuisine et le courrier du cœur. Les potins et les ragots. Santi était une pédale notoire. Et Valli a eu beaucoup d'ennuis à cause des mineurs. Et Monsieur Mesca? Mesca était un saint, du moins pour nous. Ça nous donne la touche nécessaire d'émotion. Mesca, bon mari, bon père de famille, philanthrope, ami des bêtes, écologiste, Don Quichotte de la vérité. Troisième volet, les femmes aiment avoir peur. Tu choisis un écrivain, et parmi les bons, de toute façon tous sont à vendre. Tu lui fais écrire un récit d'atmosphère du genre à vous serrer les fesses. L'assassin sans visage pouvant bien être celui qui est assis à côté de vous dans le tram. Je veux que toutes les femmes d'Italie, avant d'aller dormir, regardent sous leur lit, compris? Et vous autres, les spécialistes des jeunes? Pour moi, avec les jeunes, il faut une autre approche. Ils sont plus politisés. Peut-être une table ronde avec des sociologues, psychanalystes. Non, il y en a ras-le-bol. D'autant plus que tout compte fait, le monstre peut attirer la sympathie des jeunes. Au fond, qu'a-t-il tué? 3 surpayés plein d'oseille, 2 symboles de succès facile dans le spectacle et le sport, et un 3e du pouvoir économico-politique, donc du système, tu comprends? Tandis que le monstre, il faut que tu le présentes comme un contestataire, un brigadiste, un guérillero solitaire. Bon, ça suffit comme ça. Terminé. Maintenant, au travail et allez-y à fond. Condoléances. 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 Alors, Giorgio, comment se sont passés les obsèques? Formidable. Il n'a pas plu et il y avait une équipe de la télévision. Ça nous fera un peu de publicité dans le téléjournal. Ici, tout va bien? Nous sommes presque prêts. Je vais te faire voir ma petite idée pour la première page du numéro de demain. Je pense à une présentation différente de l'habituel faire part. Je veux faire quelque chose d'extrêmement digne et en même temps dramatique. Alors, un grand encadré noir, un grand espace blanc, avec seulement les 3 noms des victimes. Vittorio Santi, Gigi Valli, Nicolas Mesca. Et puis un gros titre, disons du type « Cette liste va-t-elle s'allonger encore ?» Hein? Ouais, c'est intéressant, c'est même pas mal, mais tu sais ce qu'il y a, ce Gigi, ça enlève tout l'effet dramatique. Oui, c'est juste. Peut-être. Au fait, quel est son vrai prénom à Valli? Je vais regarder. Voyons. Et Gisto. Oh. Ça fait quand même plus sérieux. Tu avais raison. Merde alors. Qu'est-ce qui se passe? V-E-N. Peut-être que je me gourre, peut-être que c'est pour Vénus ou pour vendredi, mais pense à ce V rouge, ça pourrait être la clé de voûte. Giorgio, imagine qu'en fracassant les crânes, le monstre soit en train d'écrire le mot vendetta. L'appartement que j'ai pris est tout en haut. Tu verras quel panorama. Je savais que je n'étais pas appelant à personne, mais je ne pensais pas faire cette étude. Excusez-moi, mais l'article du journal m'a donné une peur intense. Vous n'avez pas lu, tenez, regardez. Non, il faut lire ça. Le monstre tuera dans ce secteur de la ville quelqu'un dont le nom commence par la lettre D. Vous y croyez? Mais ce sont des blagues, des inventions pour vendre les journaux. Ah, commando, ils ont dit la même chose la dernière fois avec l'histoire du V. Non, voyez-vous, ce journaliste-là, hein, ce Barigozzi, là. Barigozzi, je crois. Ouais, peu importe. Celui-là, on dirait qu'il sait tout d'avance, hein. Ah, c'est vrai. Bah oui, justement. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ah, rien. Non, je m'appelle Donatella Dominica Donati et j'habite précisément dans ce triangle maudit. Alors, moi, je vais aller dormir chez ma grand-tante Carolina parce que moi, j'ai la frousse, hein. Taxi! Taxi! Il me semble que ce soir, dans les rues, il y a guère de monde. Tu as peur, toi aussi? On va aller téléphoner à ta mère, elle va s'inquiéter. Elle n'est pas là. Je m'en doutais un peu, elle sort tous les soirs. Presque. Et bien entendu, ne rentre pas de la nuit. Non. Passe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Justement, monsieur, il y a 2 personnes qui sont... Écoute, papa, maintenant que tu as beaucoup d'argent, je pourrais pas venir vivre avec toi. Beaucoup d'argent, Luca, n'exagérons rien. Disons que ça commence enfin à prendre bonne tournure. Mais vois-tu, je ne suis pas installé. Ici, c'est encore plus ou moins provisoire, tu comprends? Ça s'appelle une résidence ou une espèce d'hôtel. Ce n'est pas un endroit qui convient à un enfant. Mais fais donc pas cette tête, hein? Bien sûr, tu viendras avec moi, seulement il faut s'organiser, chercher une maison, chercher une fille, si possible au père, qui va s'occuper de toi. Mieux encore, une belle servante, un peu dodue, avec 2 mamelles comme ça, qui te donnerait un autre genre de leçon, hein? Y a pas de quoi rougir. Ton papa aussi a commencé comme ça. Je sais que tu penses déjà à ces choses-là, c'est normal? Tu te rends compte, ils appellent ça une cuisine. Je te promets que dès demain, je commence à chercher un appartement. D'accord? Maintenant, tu vas par là, l'interrupteur est derrière la porte. Tu allumes la télé, tu te mets un disque, tu fais ce qui te plaît. Moi, je te prépare un sandwich. Ah! Oh, papa! Qu'est-ce qu'il y a? Papa! Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, Barigozzi. Je pouvais pas me douter qui avait le gosse. Luca. Je voulais juste faire une blague. Luca, je t'en prie, calme-toi, mon grand. Ce n'était qu'une blague. Puisque c'est un simple mannequin en plastique, tu vas voir. Regarde. Mais ces trucs-là, j'en ai commandé 200 pour la publicité. Je voulais faire une blague, c'est idiot. Je suis désolé. Est-ce que tu vas la fermer, ta gueule? Toi et tes blagues. Baroufi, t'es vraiment un gros lourdeau. Luca, nous connaissons cette belle demoiselle, nous connaissons son visage, nous l'avons déjà vue. J'espère bien, il manquerait plus que ça que vous ne me connaissiez pas. Avec tout le paquet d'oseilles qui m'ont déjà piqué pour la publicité, tous ces salopards d'éditeurs de disques. Vous avez vu? Je suis un de vos admirateurs. J'ai tous vos disques. C'est inutile de me passer de la pommade, tu sais. Parce que nous sommes 15 à 15. Moi aussi, j'ai tous tes articles. C'est vrai, tu sais. Pendant tout le temps qu'elle a tourné pour moi la publicité du rouge à lèvres, c'était toute la journée le même refrain. Et quand tu me le présentes, ton Barigozzi? Et quand tu me le présentes, ton Barigozzi? Et comment se fait-il que je vous intéresse? Bah, tu es un expert en monstres, non? Je m'appelle Dina, avec un D. Et j'habite en plein dans la zone dangereuse. Je ne le savais pas. Moi non plus. Jusqu'à ce matin, en tout cas. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement, justement, aujourd'hui. Dis donc, ça alors comme coïncidence. N'est-ce pas? Et comment s'appelle la chanson? Eh, je te l'avais dit que Barigozzi était fort. Il comprend tout au vol. Il n'y a pas qu'une seule chanson. Il y a tout un 33 tours. Il y a là-dedans la balade du monstre, frisson, une ombre dans l'escalier. Pendant que tu m'assassines, embrasse-moi. C'est tout un ramassis de mauvais goût, mais alors à vous faire vomir. Ça devrait, à mon avis, se vendre tout seul. Et Barigozzi, expert en monstres, devrait te donner un coup de main pour le lancement, exact? Exact. Combien? Je pensais un pourcentage sur les ventes après les premiers 80 000. Non, je préfère un forfait. Eh oui, lui, il marche à temps par photo, à temps par article. Il a un tarif, lui, comme les putes et les taxis. Écoute, toi, tu nous broutes pas les machins, c'est pas tes oignons. Écoute, pour moi, ça va bien comme ça. Le mieux serait que tu te mettes d'accord avec l'éditeur de mon disque. Parfait. Comme trouvaille publicitaire, c'est de premier ordre. Je discute pas. Mais il y a une chose. Tu n'as pas peur? Eh oui, parce que le monstre, c'est pas un plaisantin. Et s'il choisissait justement la tienne comme prochaine tête à défoncer? Tu sais, moi, je m'en bats l'œil de ton monstre. Ah oui? Moi, figure-toi, j'ai pu tenir toute une soirée au Palais des Sports au milieu de 18 000 spectateurs surexcités qui voulaient à tout prix m'enlever ma cule. Ah, en effet, le regard. Tu comprends que... Balade du monstre, FKS, refrain seul, prise 1. Formidable. L'attaque est très mauvaise, non? C'est toujours cette merde de si bémol qui me fout dedans à chaque fois. On peut toujours prendre le premier couplet dans un autre tech. Dans le cinquième, il est bon. Tu veux l'écouter? Non, c'est comme tu veux. Bon, je vais aller manger, autrement je crève. Et toi, l'expert, tu t'es endormi? Viens! Oui, je viens, je viens. Réveille-toi, les v'là qui s'amènent. Attendez un peu, les gars. Qu'est-ce que vous prenez en photo, là? Qu'est-ce que tu photographies? Il en est pas question. Donne-moi cet appareil. Laisse-moi. Laisse-moi. bon pour toi? Bon, très bon. Et inutile de la refaire, elle est très spontanée. Ah bah tu parles de spontanée? Elle m'a filé un coup de pied dans les parties, cette salope. Excuse-la, elle l'a pas fait exprès, la confusion. Non, 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 elle a bien visé les parties. Laisse tomber, tu te feras rembourser une paire de couilles. Salut et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'il nous a bien eu. Ouais, bah, il a pris que nous. Pas mauvaise l'idée d'une aventure avec Barigozzi, hein? Ouais, ouais, les histoires de coucherie, c'est d'un rendement à peu près sûr. Il faut bien reconnaître que tu ne le voles pas, l'argent que tu touches. Qu'est-ce que vous prendrez? Pour moi, un filet de bœuf saignant et une salade. Et toi? Je prends un burger avec des pommes et beaucoup d'oignons. On verra après. D'accord, merci. Mais enfin, pourquoi tu me regardes comme ça? Ne me dis pas que mon nez traviole. Ton nez? Oui. Depuis que je l'ai fait refaire, j'ai toujours peur, un de ces quatre matins, de me retrouver avec le nez de traviole. Mais si mon nez est à sa place, alors qu'est-ce que tu regardes? Non, je pensais justement qu'à présent, qu'on pense que... moi et toi, nous sommes... nous deux, nous sommes plus ou moins ensemble. Tu t'inquiètes peut-être pour ma réputation? Non, au contraire. Ce que je voulais dire, c'est... enfin, voilà, je pense que tant qu'à faire, on pourrait que nous deux... En somme, tu comprends, n'est-ce pas? Et non, je ne suis pas certaine de comprendre. Tu fais et tu dis des choses immondes dans le travail, pour le fric et tout le reste. Et devant un simple, un mot de rien du tout comme baiser, tu te bloques. Ce qui veut dire que c'est non. Ça veut dire que je ne t'avais jamais considéré sous l'angle d'aller avec toi au plumard. Voilà. Fais-toi voir un peu, hein? Allez, allez! C'est quoi ça? Ta liste d'attente? Non, je regarde seulement si je peux trouver un trou libre un de ces soirs. Ah oui, un trou? Non, évite s'il te plaît les plaisanteries de garçon de bain. Quand je dis trou, j'entends par là un créneau entre mes engagements. Je travaille, tu sais. Luigi? Oui? Ne mets pas d'oignons dans le hamburger. Ah bien. S'il y a une chose au monde qui me ferait devenir frigide, c'est un homme qui a la laine forte. Mais papa, tu m'avais promis que ce soir nous irions à la boxe. Tu me l'avais promis, juré. Luca, tu veux pas te conduire comme un gosse. À présent que papa est plein de fric. Nous pourrons sortir quand nous voulons. Il se trouve que... ce soir, je peux pas. Luca, 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 tu es là? Oui, très bien, papa. Ta mère est à la maison? Non. Cette salope. Qu'est-ce qu'on donne à la télévision? Un documentaire sur les inondations au Pakistan. Bien. Alors tu es là, les pieds bien au chaud, et tu regardes ces crèves la faim voguer au fil de l'eau, le ventre à l'air. Tiens, 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 comme on se retrouve. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Comme c'est drôle, Barigozzi. J'allais justement te poser la même question. continuer, Barigozzi, est-ce que tu as le sommeil profond? On assassine une femme aux côtés de toi, une voisine passe, voit le cadavre à travers la porte ouverte, hurle, appelle la police, et toi, tu dors. Très bien, et alors? J'ai le sommeil lourd. Je suis aussi un peu sourd, mais ce n'est pas un crime, non? Raisonnez un peu, Pisani! Ça fait un bout de temps que je raisonne. Barigozzi de mon cœur. Que je raisonne et que je t'attends. C'est ici que je t'attendais, sans moyen de chantage ni alibi de fer. Mais vous ne pensez pas vraiment que je sois le... Il y a une chose dont je suis sûr. C'est que tu es l'administrateur délégué d'une espèce de société par action qui ramasse des milliards en vendant du crime. Si tu as participé au travail manuel, je te le ferai avouer. Sois tranquille, Barigozzi. En ce qui te concerne, la société Monstre et compagnie a fait faillite. Mais... vous avez l'intention de m'arrêter? J'ai l'intention de te faire la tête grosse comme une bonbonne! De toute façon, théoriquement, tu es en garde à vue comme simple témoin. Vous n'avez pas le droit de me garder, même pas une heure. Je suis un journaliste et en 30 lignes, je peux détruire votre carrière. Je vous ferai sauter, vous, le préfet, et le super-préfet, et le chef de la police, et le ministre de l'Intérieur. Je vous ferai tous sauter. Barigozzi, il faut venir. Ah non, bon Dieu, faudra me porter sur un brancard. 22 heures d'interrogatoire, moi j'en peux plus. Mais où sommes-nous? À la Gestapo? Arrête ton disque, on te demande au parloir. Une visite. C'est pas trop tôt, c'est Giorgio avec l'avocat. Maintenant, je vais vous montrer qui je suis. Dans 5 minutes, on va me libérer. Je vais vous le faire voir, moi, ce que peut faire Valerio Barigozzi avec une machine à écrire. Ça va sauter plus fort que la dynamite, plus fort que la bombe atomique. Salaud. Essaie quand même de te tenir un peu pour ton fils. Si c'était pas pour Luca qui m'a emmerdé, moi je serais pas venu, sois-en sûr. Je le sais. Qu'est-ce que ça peut te foutre que je moisisse dans ce trou? Toi, tu t'en balances, même si je devais y passer toute ma vie. Même si je devais y crever. Papa, tu ne parles pas sérieusement, non? Ils vont te laisser sortir, hein, papa? Mais oui, il faut te calmer, Luca. Il a fallu que tu l'amènes, garce. Papa, il me plaît pas cet endroit. Il est moche, papa. Les gardiens, les barreaux. Luca. Papa, allons-nous-en, papa. T'énerve pas. Emmène-le vite. Papa. Emmène-le vite, je te dis. Papa! Emmène-le, espèce de sale garce! Nom de Dieu. Il manquait plus que ça pour me donner du courage. Attends une minute. Il y a d'autres gens. Dieu soit loué, Giorgio, tu es enfin venu. Tu vas vite me sortir d'ici, hein? Parce que je deviens fou dans ce trou. Mais oui, reste tranquille, Valerio. T'en fais donc pas, mon vieux. Mais bien sûr, Barigozzi, asseyez-vous, restez tranquille. Tranquille? Facile à dire, maître. Je voudrais vous y voir à ma place, balloté jour et nuit entre un interrogatoire et une cellule d'isolement. Pour le moment, je ne peux rien faire. Vous êtes en état de garde à vue. C'est dans 24 heures que nous saurons si le juge va délivrer un mandat d'arrêt. À ce moment-là, nous aurons accès au dossier, nous connaîtrons la nature de l'accusation. Mais enfin, quelle accusation, maître? Quelle accusation? J'ai rien fait, moi. Valerio, il faut tout de même que tu te rendes compte que le commissaire Pisani a réuni un certain nombre de présomptions qui, il faut l'avouer, sont troublantes. Vous êtes toujours présent sur les lieux des crimes. Vous trouvez dans vos poches les lettres du monstre. C'est vous qui tirez un maximum de profit de toute cette affaire. Moi, hein? Seulement moi. Imagine-toi qu'il raconte que le fameux V, quelle coïncidence, est l'initiale de Valerio. Charogne. Mais on va contre-attaquer, Giorgio, hein? J'ai déjà prête une idée fabuleuse. Écoute-moi bien. On publie une lettre que moi j'écris au monstre. Ah. Mais alors complètement différente des autres. Une lettre qui tirerait des larmes même aux pierres, tu vois? C'est Barigozzi qui, du fond de sa sombre prison, lance un appel. Hein, Giorgio, tu comprends? Écoute, au secours, monstre, dis la vérité, écris à la police pour sauver un innocent injustement accusé. Tu vends une montagne d'exemplaires, Giorgio, et par la même occasion... tu me tires de cette horrible situation où je suis. Je ne tiendrai pas longtemps ici, Giorgio. Il faut attendre un peu. Crois-moi, ça vaut mieux. Actuellement, vois-tu, les gens sont déconcertés. Et puis s'il s'avère que le monstre, c'est vraiment moi, c'est ce que tu voulais dire. Avoue-le, Giorgio. C'est ça, n'est-ce pas? Mais non, ne dis pas de bêtises, puisque je suis avec toi. Valerio, tu peux compter sur moi comme sur un frère. Tu sais, j'ai fait le nécessaire. En résumé, maintenant, tu vas jouir d'un traitement un peu spécial. Tu sais, en fin de compte, quand on dispose de quelques moyens, la prison est moins moche, tu vas voir. Tiens, à propos d'argent, mets-moi donc une petite signature, là. J'ai décidé de rééditer tes romans policiers, tu sais, ceux de la série jaune. mais cette fois pas sous un vague pseudonyme américain. Une édition de luxe avec tes noms et prénoms gros comme ça. Tu auras 15% sur le prix de vente. Tu ne peux pas te plaindre. Signe. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tu sais, j'ai pensé, pendant que tu es là, il faut bien le dire, à ne rien faire et que tu as le temps, profites-en pour écrire. Une centaine de pages, grosso modo, sur l'histoire du monstre. Tu me paraphes le projet de contrat et puis on en discutera plus tard, dans le calme. Excuse-moi, Giorgio. Je suis tellement perturbé, tu sais que... Qu'est-ce qui me reviendra? Ben, ça dépend. Ou 20 ou 100 millions. D'accord. Ça dépend de quoi? 20 millions si tu es victime d'une injuste accusation, 100 si Pisani prouve que le monstre, c'est vraiment toi. Je te ferai envoyer du papier le plus vite possible, comme ça tu pourras travailler tout de suite. Fais-moi ça rapidement, hein, mais que ça soit bon. Je sais que je peux compter sur toi, n'est-ce pas? Au revoir. Monsieur Barigozzi, votre café. J'ai déjà mis le sucre. Je vous apporte quelque chose de la cantine? Cigarettes, cognac. Vous voulez un bon petit plat pour votre dîner? À votre entière disposition pour tout ce que vous voulez. Monsieur Mesca a dit qu'il fallait vous soigner. Et il faut donner à monsieur Barigozzi tout ce qu'il vous demande, qu'il a dit. Dans les limites du règlement, bien entendu. Mais j'ignore si c'est dans les limites du règlement, mais monsieur Barigozzi voudrait avoir monsieur Mesca tout seul et les portes fermées. Ah, à ce propos, on a apporté du papier. Je vous l'ai mis ici. Voilà. Je m'en vais, si vous avez besoin. Je sonne, je sonne. Une fois pour le gardien, 2 fois pour le commissaire, 3 fois pour le directeur. C'est juste, non? Et surtout, n'oubliez pas de fermer en partant. Eh bien, toujours ordonné et précis, cette petite ordure de Giorgio. Il a soigneusement vidé tous les tiroirs, jusqu'au dernier petit morceau de papier qu'il m'a envoyé, ce saligo. Tiens. Cette fois, c'est le tour de Gigi Valli, le monstre. Hein, bravo, mon cher petit monstre. Tu m'as bien baisé. Y a rien à dire. Je l'avais pas vu avant. Ça y est. Maintenant, c'est clair. Maintenant, c'est clair comme le jour. Ouvrez! Il faut que je sorte! Ouvrez! Putain, du calme. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu fou? Non, non, je suis devenu intelligent, subitement. Maintenant, je sais tout. Je connais le nom du monstre. Fais attention, parce que si ce n'est qu'un expédient ou un de tes trucs, ma parole, je te ferai regretter d'être venu sur Terre. Je vous dis que je le sais, je le sais. Alors pourquoi tu veux pas m'expliquer ce que tu sais? Il faut que vous le voyez de vos yeux, Pisani. Vous le croirez que si vous le voyez. On y est, c'est ce portail-là. Mais ça, c'est chez toi? Oui, je vous en prie, ne perdons pas de temps. Anna! Luca! Luca! commissaire, je vous en prie, enlevez-les-moi. La voilà. Du monstre a été tapé sur cette machine, c'est évident. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Barigozzi? Il n'est pas possible que vous ne compreniez pas. C'est Anna. C'est ma femme. C'est elle qui est le monstre. Oui, je l'ai vu s'en aller il y a une demi-heure environ avec le garçon. Oui, ils sont partis dans la Fiat 500. Mais quel aspect elle avait? Je veux dire, elle était nerveuse. Celle-là, elle est nerveuse tout le temps. Excusez-moi, monsieur Valerio, mais oui. Vous le savez encore mieux que moi. Oui, bien sûr, oui. Excusez-moi, commissaire, mais vous ne comprenez pas. Luca, le pauvre gosse, a eu le malheur de découvrir cette saloperie de marteau. Il a compris. Et c'est pour ça qu'elle l'a emmené avec elle. Pour tuer mon garçon, mais enfin, commissaire, il faut faire quelque chose. Non, mais que voulez-vous que je fasse de plus? Le numéro de la voiture a été donné à toutes les patrouilles radio, c'est-à-dire que d'un moment à l'autre, on la retrouvera. Puis franchement, cette histoire ne m'a qu'à moitié convaincu. Commissaire, enfin, je voulais expliquer que j'ai tout compris quand il m'est tombé sous les yeux la copie d'un article que j'avais écrit il y a quelques années. Il a été tapé sur la même machine que la lettre du monstre. Or, cette machine, je l'avais laissée à la maison chez Anna quand nous nous sommes séparés. Je savais que cette femme me haïssait, mais j'ignorais que c'était à ce point-là. C'est une vengeance dégueulasse, vous comprenez? Avec les lettres, elle me met sur l'affaire du monstre, l'occasion que depuis toujours j'attendais. Elle me laisse m'enferrer pour que j'ai l'illusion d'avoir échoué, et puis tac, m'enfonce. Je suis en prison. Et elle dehors, libre de s'en payer, hein, avec le fric que grâce à elle j'ai ramassé. Parce que pour finir, Luca n'étant pas majeur, c'est elle qui dispose de l'argent. Commissaire, la centrale annonce qu'on a retrouvé la Fiat. C'est celle-ci? Oui, oui. Vous l'avez trouvée comme ça, vide? Oui, on n'a vu personne. Et vous n'avez pas cherché autour? Mais vous ne pouviez pas aller... Ah, ça suffit. Vous avez déjà fait assez de conneries. Vous allez demander à une vingtaine d'hommes et on va faire une battue. À vos ordres. Mais... Commissaire, je crois que... Cet endroit, je le connais. Venez, venez vite. C'était il y a 10 ou 12 ans à peu près. C'est pour ça que je ne me suis pas souvenu tout de suite. Nous sommes venus ici passer un dimanche. Luca avait 5 ou 6 ans. C'était une journée agréable. Une belle journée même. C'était peut-être l'unique jour serein de tout cet atroce, cet affreux mariage. Nous avions presque l'impression de nous aimer et Luca était un enfant gai, très gai. Les voilà! Luca! Elle va le tuer! Elle va le tuer! Empêchez-la! Elle va le tuer! Attention! Luca! Luca, mon enfant. Oh, n'aie pas peur. Maintenant, tout est fini. Giorgio, peut-être que t'avais bien compris. Attends, excuse-moi. Luca, dis, mon chéri, arrête de clouer un instant, je n'entends rien du tout. Merci. Oui, dis-moi. Non, Giorgio, la signature que tu m'as extorquée en prison ne suffit pas. J'ai signé ou comme innocent ou comme monstre. Je suis à présent le mari du monstre. Parlons peu mais bien, Giorgio. Moi, j'ai ici les Américains qui, eux, offrent 250 000 $ en dehors des droits cinématographiques. Pour ça, je suis en pourparlers d'un autre côté. Mais de quoi je dois être reconnaissant? Vas-y, explique-moi, je te le demande. Hein? Tu te présentes chez moi avec un chèque plus gros et tu verras si j'ai de la reconnaissance. Et fais-moi un procès, c'est fou ce que ça m'impressionne. Ouais, et ta petite sœur, hein? Ah, Luca, mon petit, c'est ça la vie, une jungle. Ou manger ou être mangé. Mais il faut écouter personne. Tu dois suivre ta route tout droit et ne penser qu'à toi et à rien d'autre. Tac, un coup sur la tête à qui te barre le chemin. Maintenant, on va t'habiller, hein. Les déménageurs vont bientôt arriver. Tu verras comme c'est beau, la nouvelle maison. Il y a 2 terrasses. Ah. Papa, tu l'avais compris, n'est-ce pas? J'avais entendu les autres raconter que le monstre était grand. Alors qu'il suffit de leur dire « Excusez-moi, vous me donnez un autographe, s'il vous plaît ?» Et eux, ils baissent la tête devant toi. Tu sais, la première fois, j'avais très peur. Et finalement, c'est pas difficile. Et puis, tu m'aidais, toi. Je t'aidais? Mais oui, papa. Cette histoire du V, la lettre D. Tu veux dire que je t'apporte les idées et toi? Luca, tu as fait tout ça rien que pour moi. Tu disais souvent que si tu avais une bonne occasion de montrer tes capacités, ils verraient tous qui tu es. Et qu'alors on pourrait avoir de l'argent et qu'on pourrait vivre ensemble, moi et toi. Que les gens étaient mauvais et qu'il fallait se débarrasser de tous. Oui, je le sais. Je sais ce que je disais. Je sais aussi que j'ai passé toute ma merde de vie à vomir du poison. Et voilà le résultat. J'ai fabriqué un monstre. Papa, pourquoi tu ne me regardes pas? Papa, comme ça tu me fais peur. Tu es l'unique bonne personne au monde que je connaisse. Papa, tu ne me laisseras pas enfermer en prison avec des barreaux et des gardiens? Mais non. Non, pour l'amour de Dieu, tais-toi. Tu sais, maman, quand elle a trouvé le marteau, elle a dit « Je préfère te tuer de mes mains plutôt que te voir enfermé. » Mais quand je t'ai vu arriver avec la police, j'ai compris que j'étais sauvée. Oh. Tu ne me dirais pas un mensonge, vrai papa? ne sais pas. Je ne sais plus rien du tout. Papa? Oui? S'il te plaît, demain je dois retourner à l'école. Tu me fais un petit mot pour justifier mon absence? C'est juste. C'est très juste.